Hello tout le monde et puis m'ap souhaite bienvenue sur channel Dopoudre. Dans moment ça là, mon coin nous toutes nous aimer regarder mini-série ou soit film haïtien. Mais je nous connais là, il pas facile pour percer dans domaine ça, surtout en Haïti. Donc sur channel là aujourd'hui, moi vient avec un acteur qui a fait parler de lui en plein moment là qui c'est Ricardo Nelson. Moi quoi nous t'a posé tête nous en pile question sur lui, tant que côté sorti, qui est lié et puis combien comme l'a fait etc. Donc dans la vidéo aujourd'hui, viens parler nous de lui en général. Restez garde vidéo jusqu'à la fin pour qu'on connaisse toute bagaille. Donc si vous pouvez vous abonner à la chaîne là, m'a invité à faire ça kounya pour pas rater vidéo comme vidéo parce que chaque semaine, moi sorti vidéo que moi pensé cap intéressant. Et puis pas oublier partager vidéo à un monde pour que les jeunes plus monde et sur ce, on a la vidéo. Ricardo Nelson ou bien Jean Doute Konenna Strong fait yon 12 juin sous gouvernement Jean-Claude Duvalier. Yo pas vraiment mentionné à Nia. Lise deuxième dans une famille qui gagne 5 timoun. Lise seul garçon dans la famille. Mais famille te pauvre en pile. Et yo te toujours dans faire discussion. Dans moment ça, Ricardo Nelson t'a passé plusieurs cailles avec plusieurs écoles. Malgré papa avec maman, t'as vivre séparément, mais il était toujours à vivre avec tonton et ma tante. Pendant qu'il était 11 ans, maman t'a fait un accident et il était tout resté à l'hôpital. Comme c'est avec maman qui t'a vivre dans moment ça, il était décidé à vivre avec papa dans Delma 65 avec une ancienne. Et puis c'est là qu'il était passé toute adolescence. C'est Delma que Ricardo Nelson est arrivé fini études élémentaires dans l'école Edia Villera. Il était tout lauréat dans la promotion. Là. Et puis, un tonton qui était relé Jacques est inscrit dans le lycée Daniel Fignolet. Côté qu'il était arrivé faire toutes études secondaires. Et puis, il était lauréat dans ni Reto ni Philo. Là, il était dans le lycée, il était gagné 3 passions. Première passion là qui c'est lecture, deuxième là qui c'est télévision et troisième là qui c'est écriture. L'été plus aimé les romans policiers avec Harlequin. L'été tellement aimé écrire dans moment ça qui rêve c'était pour devenir un grand écrivain. Dans moment ça yo, parle pas au courant de rien parce que pour Jean l'été brillant, yo te voulait pour devenir ingénieur ou soit médecin. Quelques temps après, Nelson est venu aimer le cinéma. Mais comme il n'est pas de Gikai, il était toujours à la télévision côté une voisine qui était relé Jacqueline. Puis c'est dans le moment ça que le cerveau a commencé à fonctionner et puis quelques scènes ont commencé à dérouler dans l'imagination. Après le lycée, Ricardo Nelson était entraîné à l'université créée le CTPEA, qui signifie Centre de technique et de planification économique appliquée. Sous direction de quelques amis, parce que la faculté ça baille meilleurs étudiants ont l'argent. Et puis Nelson était appris à dessiner et faire portrait camarade Lio pour te faire comme parce qu'il n'y a pas qu'à acheter le livre que le professeur a demandé. Il a fait un paquet de jobs dont il a quitté agent de marketing pour une entreprise qui a vendu appareils électroniques. Quelque temps, il est arrivé à abandonner l'écriture avec dessin parce qu'il a eu quelques problèmes visuels. Et puis tout parce qu'il n'a pas assez de moyens pour publier un poème. Après 4 ans à l'université, il était arrivé à joindre l'autre travail. Il a bien mené en ville et puis quelques temps après, il a décidé de retourner écrire. Mais ça n'a pas trop satisfait. Il a même écrit un roman qu'il n'est pas arrivé à publier. Mais il était vraiment passionné des films hollywoodiens. Pendant qu'il était allé au séminaire, il était rencontré avec un Serbe et puis un Canadien.
Yo te tout wè look li avec charisme li et puis yo te tout conseil al nan cinéma. Li pat fè ni deux ni trois, li te tout al passé yon casting. Puis nan casting sa, yo te tout choisi comme acteur principal. Mais film sa pa gete sorti. Et puis en 2015, li te gèche passé yon l'autre casting nan yon feuilleton ki rele The Last Tentative. Li te au top parmi 300 acteurs qui te présent yo. Nan feuilleton sa, Nelson te acclamé par public haïtien yo et puis public à l'étranger yo tout. Les 4 premiers épisodes sa yo te sorti. Et les li te vann par Père George Production. Pour succès que li te fait nan première apparition, li te tout met yon seul objectif nan tête li. C'est pour yon grand star nan cinéma haïtien. Nan succès que li te fait, Nelson continue à travailler di. Li joue Wall Stone nan tellement bien que yo di kon sa ke li te fait pour ça. En 2016, li te joue l'autre rôle tankou Forfelu nan yon série qui te rele Sous-marin. Et puis li te arrivé écrire une mini-série qui te rele Rien que la vérité. Que nan série ça li te interprété yon rôle yon aventurier qui te remet arnaqué moun. Sur Instagram, li a plus que 174 000 abonnés et puis sur YouTube, li a plus que 460 000 moun qui abonnés sur channel YouTube li. Nan moment ça là, sur même YouTube là, la fait 2500 à 24 200 dollars par mois. Et puis par an, li vini de 18 100 dollars à 290 300 dollars. Et puis channel li a geta yon vue globale de 192 737 485 views. N'oubliez écrit dans espace commentaire qui acte haïtien ou pire aimé et qui acte haïtien que ou ta même font vidéo sur. Et puis n'oubliez dit tout est-ce que ou aimé Ricardo Nelson ou pas. Et puis ça ou aimé dans lui, ça ou pas aimé dans lui. M'appli tout à vie. Un grand merci parce que vous êtes resté dans fin vidéo. N'oubliez abonner à la chaîne là pour pas rater vidéo qui va venir. Partagez vidéo à vos amis pour qu'ils rejoignent plus monde et sur ce ciao, on a une autre vidéo.